Il commence à se libérer tout seul. Bonne question, ma chérie. Donc, vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes tombé sur une de mes vidéos, ben super, bienvenue. Donc, ça fait au moins 30 minutes que j'essaie de me connecter. Avec mon internet qui déconnait. Vous vous rappelez de cette, de ce qu'on a fabriqué une fois là? Je vous montre, j'avais montré la recette en ligne. Donc vous en mettez sur vous. Vous pouvez faire vos bains avec aussi. Vous voyez, c'est noir comme ça, mais au départ, ce n'est pas noir. C'est le coup de girofle qui rend ça comme ça. Je vous demande la présence de vos anges, la présence du Saint-Esprit pendant cette vidéo. Donc, bonsoir, bonsoir. Si vous me recevez, écrivez bonsoir pour que je sache. Bon, posez des questions avant qu'on ne parle de jeûne alors. Bonsoir à Facebook. Facebook, je vois que vous ne donnez pas, vous n'avez pas mis de like. C'est bizarre. Ça, c'est pour ceux qui sont en France. Si vous n'êtes pas en France, ce sera difficile de trouver ça. Donc, Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel. C'est une eau de Cologne. Saint-Michel. Ceux qui partent souvent à Lourdes, ceux qui partent souvent à... Dans les lieux de pèlerinage, là. J'ai de grands chrétiens ici. Donc vous voyez la couleur. C'est vraiment noir. Vraiment, les quantités, ça dépend de toi. Hein. Pour mettre 7. 7 feuilles de laurier. Si vous regardez bien, il y a les feuilles de laurier dedans. 7 feuilles de laurier et puis les coups de girofle. Lavage au sel rouge, cadenas, ça ne se fait pas une seule fois. Bon. Parce que tu n'as pas été bloqué seulement une seule fois. Donc, il faut que tu le fasses plusieurs fois. Tu fais ça plusieurs fois. Bonsoir Facebook. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vous sens pas tout ce soir Facebook. La cannelle, vous pouvez rajouter de la cannelle. Moi, je ne rajouterai pas de la cannelle. La cannelle, je la prends sous une autre forme. Simone, si tu viens d'arriver sur ma page, tu me demandes le lavage. Je dois aller regarder mes vidéos. Comment est-ce qu'on fait le lavage cadenas? Oui, j'ai mis ça dans des vidéos. Je crois que je vais encore faire une vidéo pareille pour montrer. Parce que tous les 2 mois, il faut que je refasse encore. Je fasse une autre vidéo. J'aime pas les mouches. Je sais pas pourquoi Dieu a créé les mouches, franchement.
Ok, donc demain on va jeûner. Tous les mercredis on jeûne. Donc, il y a méditation le vendredi à 21h. On a fait la première séance la semaine passée, vendredi. Donc, la méditation pour retirer les blocages, pour enlever tout blocage que vous avez sur vos finances, des choses comme ça. Au début du mois de fin du mois de juin, on a fait un jeûne de 3 jours, un jeûne sec. Donc, on n'a pas mangé pendant 3 jours, on n'a pas bu pendant 72 heures. C'était très intense parce qu'il y a eu des délivrances, il y a eu des ouvertures de destinée, il y a eu beaucoup de changements. Donc, jusqu'à ce que l'instruction vienne encore de la part des ancêtres. Bonjour la reine Jeannette. Nous n'allons faire que des jeûnes le mercredi. Donc, demain, nous commençons la prière à 6h00, heure du Gabon, Cameroun. Donc, quand on se prépare pour le jeûne, je vais un peu parler de la préparation du jeûne ce soir. Le jeûne, on ne tombe pas dans le jeûne. La semaine passée, parce qu'il y a il y a une ligne de prière pour ça. Donc, il y a un numéro, le WhatsApp gabonais sur lequel vous envoyez vos requêtes de prière. Donc, quand je regardais les requêtes de prière et je priais pour certaines personnes, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui ne savent absolument pas prier. Ces gens, tu vas au restaurant, tu vas au McDo, tu dis, tu t'assois. Tu ne vas pas à la caisse commander. Tu t'assois, tu attends qu'on vienne demander ta commande. Tu attends que la serveuse qui est derrière la caisse, elle vienne et dit, Madame, qu'est-ce que je peux commander? Qu'est-ce que je peux vous donner? Et ben, vous voyez que ce n'est pas, ça ne se fera jamais. Ça ne se fera jamais. Et deuxièmement, tu es venu pour demander à manger. Tu peux avoir de l'argent dans ta poche pour payer. Mais puisque tu demandes de la mauvaise des façons, tu n'auras. Tu as très peu de chances qu'on te serve. Je ne connais pas encore quelqu'un qui m'a dit qu'il est parti au McDo, il s'est assis. On est venu prendre sa commande sous sa chaise, on l'a servi. En tout cas, pas dans les 5 dernières années. Donc, ceux qui veulent faire le jeûne de 3 jours à sec, eux-mêmes, les prières qu'on avait faites ont été enregistrées. On a au moins 4 ou 6 séances, 4 à 6 séances de prières qu'on a enregistrées. Donc, si vous avez décidé de faire cela vous-même, vous pouvez acheter le programme. Si vous êtes au Cameroun, vous achetez ça, on va mettre sur une clé USB, on va vous donner. Mais c'est une belle expérience de te priver de nourriture. Il y avait tellement de personnes que c'était leur première fois. Le jeûne ne t'apprend pas à prier, mais le jeûne vient compléter. Vous voyez un peu. On apprend à prier. C'est comme un avocat qui va à la cour. Il apprend. You learn how to defend yourself. You learn how to ask for what you deserve. First of all, you need to know what you deserve. Donc, quand tu jeûnes, ce n'est pas l'acte du jeûne qui fait la chose. Mais c'est la connaissance que tu as de l'acte que tu es en train de faire. Vous voyez un peu. Bonsoir la reine Godwin, la reine Lucie, bonsoir. Ok, de rien. La reine Karine Gabana, de rien. Donc, quelqu'un peut jeûner. Tu restes, tu ne manges pas, tu ne manges pas, tu ne manges pas. Facebook, si vous venez d'arriver, partagez ma vidéo et vous me laissez les likes. Ça va permettre que ma vidéo remonte. Parce que je crois que j'ai de la peine à ce qu'on voie ma vidéo sur Facebook ce soir. Donc, partagez ma vidéo et puis faites des likes. Voilà, merci. Tu peux jeûner. À la fin de ton jeûne, tu ne connais pas qu'il faut faire le salaka. Tu ne donnes rien à personne. Tu peux jeûner, tu te prives juste de nourriture. Et tu ne sais pas comment prier.
Vous me suivez, parce que la connexion est très instable ce soir. Je bénis cette connexion au nom de Jésus. Merci pour le partage, Kalik. Tu vois, Kadiak, par exemple, tu ne connais pas c'est quoi le Saraka. Kalik, tu comprends français? Bonsoir Yehoud Dagrobo depuis le Sénégal. Donc, la première chose pour le jeûne, c'est quoi? Quand tu commences le jeûne, le fait que tu décides de jeûner. Bon, je vais essayer de stabiliser ma connexion parce que là, je crois que c'est un peu chiant. Bon, attendez juste un peu. Quelque chose. Bon, là, vous m'écoutez sur les deux réseaux, vous m'entendez? Ok, la reine Jeannette dit qu'elle m'entend. Parce que j'ai enlevé j'ai un peu stabilisé la connexion, j'ai changé de réseau. TikTok, vous m'entendez? Ok, super. Ah, mais Kalik, tu parles français, je vois ton... Ok. Donc... Le fait que tu décides de jeûner, ce n'est pas parce que tu veux maigrir. Ce n'est pas parce que tu veux... Ah, mon ventre est un peu gros, il faut que je maigrisse un peu là. Non. Ce n'est pas pour ça que tu jeûnes. Tu dois jeûner parce que tu es fatigué. On va lire un passage. Donc, moi, j'enseigne avec la Bible. Malgré le fait que je sois comme une musulmane, mais bon, j'enseigne avec la Bible. Je vais vous lire un passage. Ézéchiel 58 au verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voilà pourquoi tu jeûnes. Donc, dans une génération où, supposons dans ta ville, il y a 15 millions d'habitants. Sur les 15 millions d'habitants, tu fais partie de quelques 1000 personnes qui vont jeûner ce jour-là. C'est-à-dire, sur tous les plaisirs de la nature que les 15 millions de personnes vont se donner. Parce que quand tu fais quelque chose qui te plaît, ton âme, c'est tu es content. Tu te masturbes, tu es content. Tu fais l'amour, tu es content. Tu manges, tu es content. Tu es en train de regarder des vidéos de TikTok, tu es content. Donc, ton âme prend du plaisir. Et il y a spirituellement, il y a comme une radio, ou bien encore, c'est comme s'ils ont des talkie-walkie. Ça, c'est l'analogie que j'ai dans mon esprit. C'est comme s'ils ont des talkie-walkie et ils écoutent nos pensées. Ils voient si notre chair prend du plaisir. Et... sur les 15 millions d'habitants, tu fais partie des 1000 personnes qui décident que je ne vais pas avoir de plaisir aujourd'hui. Comme je me prive de plaisir, voilà ce que je demande. Donc, toi Dieu, tu m'as donné la possibilité de me faire plaisir, mais je refuse. Et si je refuse, en échange, je te... Donc le jeûne, c'est un peu comme si tu interpellais Dieu. C'est un peu comme si tu criais, tu dis, « Hey Dieu! Dieu !» 15 millions de personnes sont sur leur voiture en train de voler. Toi, tu t'arrêtes. Tu cries, tu attires l'attention. C'est quoi ça? C'est vrai? Vous avez essayé ce soir de toute votre âme. Bon, apparemment, vous me suivez toujours. Ouais.
La première fois, j'ai une coupure de lumière. Là, vous me voyez, je vais continuer à enseigner comme ça. OK? Donc, c'est comme si. Bon, là, mon wifi est parti, donc je suis quitté de la connexion de la maison. Donc, c'est comme si de ces 15 millions de personnes, toi, tu t'arrêtes et tu dis à Dieu, prête attention à moi. Donc je vais lire, vous n'allez sûrement pas voir parce que je vais utiliser ce téléphone pour lire, mais je vais lire ce que Ésaïe dit. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc quand tu arrêtes ton plaisir, tu lui dis donc, je m'arrête, je me prive de mon plaisir parce que je viens détacher les chaînes de la méchanceté. Ça peut être sur ma vie, sur la vie de mon fils, dans ma ville. Dans mon pays, donc tu peux avoir une intention quelconque. Mais ce qui te donne le droit de venir parler, c'est parce que tu t'es privé du plaisir que tout le monde a sur la terre. Renvoie libre les opprimés. Donc tu as le droit aussi d'ouvrir la prison. Regarde, tu peux mettre ça là. S'il y a des prisons spirituelles, ou là. S'il y a des prisons spirituelles, tu as le droit d'ouvrir ces prisons spirituelles. Donc quand tu jeûnes, tu prends une autorité. Maintenant, tu peux ne pas savoir comment l'utiliser. Hein? Et à la fin de ton jeûne, tu t'es privé de nourriture, tu n'as rien dit, tu n'as rien brisé. Naissez avec des fardeaux sur vous. Et je continue, je suis en train de lire Isaïe chapitre 58, je suis au verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. C'est pour ça que quand on jeûne, je vous dis toujours à la fin du jeûne, fais le salaka. Le salaka, c'est toi qui partages ton pain avec quelqu'un qui a faim. Parfois, c'est pas que forcément la personne a faim. Hein. Mais si tu veux bien écouter le Saint-Esprit, il va te donner l'inspiration que donne à telle personne. TikTok, est-ce que vous m'entendez? Ah, si je coupe la fesse, vraiment, je sais pas. Si vous entendez quand même un mot sur deux, hein, restez dans le truc, écoutez, c'est très important. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. J'ai décidé de prendre du temps, de me priver de plaisir. Pour partir dénouer les liens de la méchanceté sur quelqu'un et sur moi-même. La parole promet ceci. Alors, donc quand j'ai coché première case, deuxième, troisième, alors, donc ce n'est pas que peut-être. Ce n'est pas que peut-être. Alors, quand quelqu'un te dit alors, ça veut dire que si tu te lèves, tu fais ça. Tu prends ça, tu lances du 20e étage, ça va tomber, ça va se casser. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous devez comprendre la puissance du jeûne. Comme ça, quand vous serez tenté pendant le jeûne, vous n'allez pas succomber. Et quand vous serez en train de prier, prier, ce n'est pas que tu vas prier pour voir tes émotions. Oh, quand j'ai prié, je sentais comment ça. Et quand même il s'agit de prier, il ne s'agit pas seulement de faire les chakarab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 
Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. C'est-à-dire, ta lumière va monter, 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 monter. L'aurore commence, ce n'est pas le crépuscule qui descend. Donc, tes choses vont commencer, ça va marcher, ça va continuer de marcher, ça va encore continuer de marcher, ça va encore continuer. Écoutez bien, vous devez savoir. Ta justice, et ta guérison, la semence. Et ce qui nous tue, c'est une chose. On a commencé, après on a laissé. Seigneur, si tu m'as dit que je devais avoir, pourquoi? Ça fait 2 semaines que j'ai jeûné. Pourquoi je n'ai pas encore la réponse? Ok, Seigneur, si effectivement ça devait marcher, pourquoi est-ce que je n'ai pas encore ma réponse, Seigneur? Alors que le Seigneur a dit que ta guérison va germer. Ça veut dire que tu as mis dans la terre. Ta guérison est déjà en route. L'AVC, là, tu es en train de guérir de ton AVC totalement. La moitié de ton corps, là, ça a commencé, la guérison. Dieu n'a pas dit que tu ne seras pas tenté de croire que tu n'es pas guéri. Il a dit que sûrement ta guérison a commencé. Maintenant, c'est à toi de dire, ok, malgré les signes, malgré les vertiges, malgré le ceci, malgré le symptôme que j'ai froid, j'ai ceci, malgré ça, je sais que ma guérison a commencé. Samir a dit qu'on demande souvent à Dieu, après on lui met tellement de pression. Ah oui. Et après, il dit, ta justice entre vous, quand vous jeûnez seulement pour que le pasteur à l'église dise, ah, elle a jeûné, oh, ma fille a jeûné, oh, God bless you. C'est pour ça que tu vois à la fin du jeûne, le pasteur a coché dans sa case qu'elle a jeûné, mais tu n'as pas de réponse. Parce que tu jeûnais pour faire plaisir au pasteur. Je le dis toujours à mes employés et tout, que dans mon entreprise, si tu veux travailler et tu veux faire déjà que j'apparaisse avant que tu travailles, tu n'es pas encore arrivé, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Donc, fais des choses, hein. Oublie que quelqu'un va venir te checker. Fais pour toi-même d'abord. Merci, la reine Kalik. Et vous allez voir qu'il insiste beaucoup sur le salaka. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. On ne peut donc contre les dons, hein, quelqu'un qui a l'esprit, qui a la main, qui donne beaucoup, on ne peut pas te faire quelque chose. Ta lumière va se lever sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Donc, quelqu'un vient te faire du mal, il croit qu'il a tué jusqu'à. Moi, tu es une femme que tu donnes. Tu ne peux pas passer une semaine sans donner. Ça t'ouvre les portes. Pas le genre que tu reçois l'argent, tu dis, ah, c'est fétis. Moi, il n'a pas payé ma dîme. Ah, la dîme, c'est beau. Non, moi, il ne peut pas. 10%. Oh, non, moi, il ne peut pas. Quelqu'un te demande, tu dis, ah, non, moi, il ne peut pas. Dieu te dit, prends l'argent si. Prends 5%, ça va donner à tel endroit. Si tu es enceinte, ne jeûne pas, s'il te plaît. Diabète, tout ça. Donc, vous allez voir que après le Seigneur met les promesses, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dans les eaux, dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ça veut dire que ton jeûne a permis à ta famille de faire une fondation pour commencer à rebâtir. Vous suivez, non? Ton jeûne a fait une fondation pour que les tiens commencent à rebâtir. Je dois vous expliquer parce que quand on va jeûner demain là, n'attendez pas, ce n'est pas moi qui fais le travail pour vous. Vous pouvez jeûner. Après, il dit, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent.
Moi, j'aime beaucoup la partie où il parle vraiment du jeûne, où il parle de ta famille. Donc, tu peux mettre beaucoup de personnes dans tes prières du jeûne. Il y a de l'espace pour tout le monde. Ne dis pas, ouais, voilà, j'ai déjà mis 40 personnes sur ma liste. Franchement, je ne vais pas rajouter. Écoute, c'est l'esprit, l'esprit infini. L'esprit est infini. Voilà. Donc, ce soir, tu vas déjà, comme tu m'as écouté, tu vas prendre du temps. Tu vas écrire les aspects de ta vie qui ont besoin de changer. Seigneur, il me faut un mari. Seigneur, tel boulot que je suis parti pour demander. Je viens par ce jeûne briser les malédictions sur ma vie. Je viens faire ceci. Je viens, je viens, je viens, je viens. Tu dis tout ce que tu veux. T'inquiète pas, il a son temps pour entendre. Et même avant que tu me demandes, il connaît déjà. Et quand tu écris, vous avez vu qu'il faut partager sa nourriture avec celui qui n'a pas. Qui n'a pas. Localiser déjà une personne ou bien tu fais un don à l'orphelinat ou bien quand, dès que tu fais une prière, tu fais un travail spirituel. Le jeûne, quand tu jeûnes, tu as commencé un travail spirituel. C'est un espace spirituel, c'est un autel que tu bâtis. Tu dois toujours sceller ça. Tu dois sceller avec une offrande. Ceux qui me suivent savent comment ils blaguent pas. Souvent, c'est comme ça que quelqu'un me fait le transfert de 500 francs CFA. Elle dit que voilà, je viens de faire mon jeûne, je scelle avec 500 francs CFA. Il dit oui. Tu connais le principe. Tu connais le principe. Et pendant le jeûne, tu as le droit de briser les chaînes. Toute chaîne, tu dois pouvoir identifier les chaînes. J'explique beaucoup. Je fais beaucoup de vidéos d'explication parce que je sais que vous, pour pouvoir identifier les choses de votre famille, vous avez besoin de comprendre. Dès que tu comprends, tu dis, je brise le célibat de ma famille. Je brise telle chose de ma famille. Telle chose qui dérangeait ici, je viens briser. Je viens défaire les chaînes qui ont retenu telle partie de ma famille. Je viens refaire les fondations de ma famille. Je nous mets maintenant sur de bonnes fondations. Donc vous voyez que le jeûne, ce n'est pas seulement pour moi. Je viens défaire les liens de méchanceté. Un jeûne qui a été préparé et a été visualisé et a été écrit est plus intense qu'un jeûne que tu t'es levé le matin, tu as dit, ah, je vais jeûner. Après, tu viens là, tu te connectes à la séance de prière, tu regardes, tu vois comment la personne prie. Tu regardes, tu dis, regarde ses cheveux, elle ne s'est pas peignée le matin. Mais regarde-moi un peu, regarde. Vous voyez, quand vous étiez à l'église là, non, quand le pasteur te forçait pour faire l'acte de présence, tu arrives, tu regardes, mais regarde la jupe de la fille là, pourquoi elle n'a pas repassé sa jupe? Après, tu fais, we are welcome. Ah, mais regarde son ventre, elle a pris du poids. Hein? Vous vous trompez vous-même. Donc, soyez sages. Arrêtez de chercher les passages bibliques. Tu peux mettre tous les passages bibliques tant que toi-même, tu n'écris pas ce qui vient de ton cœur et que tu veux. La semaine passée, quand on a fait le jeûne, j'ai demandé, j'ai pris les demandes de prière des gens. Je commence à prier pour les gens, j'y m'attends un peu. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, bénis toutes les femmes dans le monde entier. Oh Seigneur, donne à tout le monde entier ce qu'ils veulent. Mais c'est pas possible ça. Je fais le message, je dis, mais ma chérie, tu écoutes même souvent mes vidéos. Tu demandes quoi à Dieu? Tu veux quoi? Ah, je veux qu'il bénisse tout le monde. Mais tu manges ta nourriture. Ne dérange pas les gens. Mange ta nourriture, tu regardes là-bas, ne dérange pas les gens. Vous prenez les choses à la légère. Vous ne voulez pas vous perfectionner dans les choses. Un jour, j'ai une dame qui est venue d'Allemagne me voir. Elle est venue à Douala. Donc, je suis entre Douala et Libreville. De temps en temps, je suis à Douala ou je suis à Libreville. Elle vient. Elle me dit en 2 mois qu'elle me suit. Elle a commencé à utiliser mes kits. En décembre, elle avait envoyé son frère au Cameroun. Il était de Kribi, il est venu prendre des produits, il lui a envoyé ça. Elle dit, premièrement, la nationalité qu'elle demandait depuis 1 an et demi qu'elle avait, elle a demandé à son mari. On n'avait pas encore donné. Et son mari avait même d'ailleurs une autre femme. Donc, il voulait quitter celle-là, la laisser en plein. Tu sais qu'en Allemagne, tant que tu n'as pas ta nationalité, tu n'es pas sûr. Il voulait la laisser là-bas et partir.
Elle disait seulement, Seigneur, que ma nationalité sorte avant qu'il ne parte. Comme ça, je n'ai plus besoin d'un papier de sa part pour me naturaliser. Depuis 18 mois, c'était elle, elle attendait. Deuxième chose, il y avait les papiers de son fils qu'elle avait commencé depuis un an et demi toujours, 18 mois. Son fils, 14 ans, il était au pays. Et depuis 5 ans qu'elle est partie en Allemagne, elle avait laissé l'enfant au pays. Et elle n'avait jamais vécu, quand son enfant avait un père, chez son père, elle n'a presque pas vécu avec son fils. Sa prière, c'était, Seigneur, réconcilie-moi avec mon enfant, je vais être dans la même maison avec mon fils. Je veux aussi éduquer mon enfant. Depuis un an et demi, les papiers étaient à l'ambassade. On demande tel papier, on tourne. On demande tel papier, on tourne. On demande tel papier. Troisième sujet de prière, elle voulait la voiture de 15 000 euros au moins. Écoutez, ce sont ses demandes de prière. Hein. La femme était claire dans ses demandes de prière. Je veux la voiture de 15 000 euros. Elle me dit, février, elle avait payé un lavage à distance chez moi. Donc le jour où, chaque fois que j'imprimais sa photo pour laver, sa photo se perdait. Je lui avais dit que je ne sais pas ce qu'il y a sur ta situation. Chaque fois que je veux faire ton lavage, ta photo se perd. Finalement, un jour, je me décide. J'ai sa photo devant moi, je ne trouve pas le nom. Je suis en dessous devant ta photo, je vais te laver. Elle me dit son nom. Et elle me dit qu'elle est en salle de naturalisation. Ils l'ont appelée. Elle ne sait pas si on appelle pour demander encore un autre papier. Qu'elle est fatiguée. Il dit, ma chérie, ne t'en fais pas. Je lave. 15 minutes plus tard, elle m'appelle en criant. Qui m'appelait pour me dire que j'ai ma nationalité allemande. Deux semaines après qu'elle a la nationalité, le visa de son fils est sorti. La semaine où elle a eu la nationalité, elle dit que en fait son mari, elle, avant, elle lui donnait accès à son compte. Et quand une autre femme a tourné sa tête dehors, ce qui fait qu'il avait privé des sous, je ne sais pas comment elle a fait. Elle est allée, elle a eu accès à leur compte. Elle a pris de l'argent pour acheter sa voiture. Donc, argent qu'elle ne savait même pas d'où ça allait venir. Elle me dit, comme je te parle, j'ai acheté, je viens d'acheter ma voiture de 20 000 euros. Elle dit, vraiment, ça c'est le miracle. Que l'homme s'est riche. Depuis que la femme a tourné sa tête, je n'ai plus rien. J'avais demandé la voiture de 15 000 euros. Mais voilà, je viens d'acheter la voiture de 20 000 euros. Bonsoir, merci pour les fleurs que vous me donnez. Dès qu'elle a fini, elle a eu ces trois choses-là. Elle est venue au pays chercher son enfant. Elle est venue, elle a porté son enfant, elle est rentrée avec lui. Elle arrive au pays, donc elle vient pour qu'il la lave. J'ai entendu la femme la prier. J'ai dit que non, j'aurais dû copier. J'aurais dû filmer sa prière, ses demandes de prière. Seigneur, comme je rentre en Allemagne, je veux un boulot en tant que manager de quoi. Elle connaissait la position qu'elle voulait dans l'entreprise. Elle savait, elle dit qu'elle veut ça d'ici, elle avait dit le mois. Après, elle dit, je veux construire mon immeuble. Que là, le terrain que j'ai là-bas à Oja, c'est à Yaoundé. Je vais lancer mon immeuble là-bas d'ici le mois d'août. Quelle prière tu avais le goût? Si toi-même tu étais Dieu, tu allais lui donner sa prière. Tu allais dire que non, ma chérie, prends tes cœurs, prends. Le lavage à distance, envoyez votre photo. Votre photo et votre nom. Je fais le lavage à distance à 33 800. 50 dollars, 50 euros, 33 800. Adulte, enfant, peu importe, même prix. Donc bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Elle était spécifique dans sa prière. Et quand elle parle, elle dit, Seigneur, vraiment, voilà ce que je veux. Je ne veux pas moi, Seigneur, voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux, Seigneur. Que tu me donnes le boulot de manager, Seigneur, en Allemagne. Ton vrai travail, c'est de t'asseoir en avance et de décider ce que tu veux. Seigneur, bénis mon entreprise. Bénis mes enfants. Tu veux quoi sur tes enfants? Seigneur, je veux que ma fille se marie à 24 ans. Elle va rencontrer un homme de bonne famille. Qui est riche. Vos filles vont tomber amoureuses des gars qui n'ont même pas 5 francs. Ta fille va payer sa propre dot. Je veux le visa pour aller dans tel pays. Quand j'arrive là-bas, je me déclare que quand j'entre dans le pays là,
Aussitôt que j'arrive là-bas, Seigneur, j'ai mon titre de séjour. Pas même te renseigner sur le titre de séjour de ce pays-là. Je veux avoir le séjour de 5 ans. Je vous apprends à devenir avocat et avocate. Tu te réveilles, tu pries pour quelqu'un comme ça là. Vos pasteurs vont vous demander de venir prier pour eux bientôt. Laissez. Tu vas prier sur le pasteur comme ça, il va dire, hey, je veux que tu aies une congrégation de 3599 membres. Oui, je veux que tes dîmes mensuelles s'élèvent au montant de 15 590 francs. Oui. Vous comprenez maintenant? Donc demain, on va commencer à 6 heures. Il y a un groupe de prière. Bon, pour TikTok, je ne sais pas encore comment on fait pour mettre les liens sur TikTok, quoi là. Prenez juste le numéro de téléphone. Vous écrivez sur WhatsApp. On va vous mettre dans le groupe. On doit prier demain. Maladie, grossesse, vous ne pouvez pas jeûner, ce n'est pas grave. Pendant le jeûne, de préférence, prenez le sel. Si vous êtes à Douala Yaoundé, achetez le sel pour vous laver avec. Si vous avez le donne-moi tout, vous utilisez le donne-moi tout. Vous mettez le sel, donne-moi tout. Et le matin, là même, de préférence, tu prends la première urine, tu te laves avec. Tu pisses un quart de verre, tu mets dans 5 litres d'eau. Tu mets ton donne-moi tout, tu mets le sel. Le donne-moi tout, c'est un parfum qui a été fabriqué. On a fait ça avec presque 50 écorces et plantes et tout ça. Là. Ce n'est pas Saint-Michel, mais c'est le donne-moi tout. C'est autre chose. Ceux qui sont abonnés depuis longtemps me connaissent un peu. Donc, tu mets ça et tu mets une goutte de donne-moi tout sur tes lèvres. Sur ta langue. Tu parles. Tu parles. Donc avant de dormir cette nuit, tu dois déjà écrire ce que tu désires. Je veux que Jean Bosco me remette mes 5 350 000 qu'il a depuis 2 ans. Tant qu'il ne me remet pas ça, il n'a pas de paix. On peut jeûner quand on saigne, mais on se lève, on se lave avec le sel quand on saigne. Jean Bosco, remets-moi mes 590 000 francs CFA. Tant que tu ne remets pas, tu n'as pas de paix. Au nom de Jésus, je déclare. Vous voyez un peu? J'aménage la maison ici en 3 semaines. J'appelle les clients dans ce magasin. Je vais avoir un chiffre d'affaires quotidien de 500 000 francs CFA. 1 million de francs CFA. Je déclare que j'ai plus de demandes que je ne peux même satisfaire les clients. Au nom de Jésus. Vous comprenez? Donc, je vais vous donner les numéros de téléphone. Donnez-moi le pays où vous êtes et je donne votre numéro de téléphone. Le groupe de prière n'est pas payant. Vous savez vous-même que moi, mes choses, je mets les... on paye beaucoup de mes choses, mais le groupe de prière n'est pas payant. Le groupe de prière n'est pas payant. Donc, quel pays? Côte d'Ivoire, ok. Le Gabon, c'est le 07. Gabon, c'est le 07 41 80 080. Notez-vous, ne me demandez pas 5 fois. Gabon, 07 41 80 080. Bon. Si vous, je vais donner le Gabon, je vais donner la Côte d'Ivoire, je vais donner le Cameroun, je vais donner la France. Maintenant, si vous êtes dans d'autres pays, Maroc, Ghana, Italie, prenez les numéros du Cameroun, c'est-à-dire celui-ci. 00237 680 71 0701. Donc ça, c'est pour le Cameroun. Ça, elle peut dire que c'est le numéro international là-bas. On a 2 numéros qui répondent. Le 00237 à nouveau. 655. Ça, c'est la représentante. C'est l'une de mes filles qui est à Yaoundé. 655-31-0750. 655-31-0750. Vous demandez qu'on vous mette dans le groupe de prière. Gabon, vous pouvez prendre le 0741.
80-080. Demain, à 6h, il y aura la prière. 12h, il y aura la prière. 18h, il y aura la prière. Donc, Paris, le numéro de Paris. Vous pouvez aussi commander les sels. Ils ont le sel aussi. Paris, 07 53 95 56 69. 07 53 95 56 69. Nantes, ça c'est aussi une autre ville de la France. 06 20 00 63 59. 06 20 00 63 59. Pour le Congo, vous devez prendre le numéro du Cameroun. 0, donc plus 237 655 31 07 50. 655 31 07 50. Et le 680 71 07 01. 680 71 07 01. Peu importe le pays, si vous écrivez à ce WhatsApp-là, plus 237 680. Ces personnes-là répondent rapidement. Donc, pour le Cameroun, 00237, 155, 00237, 655, 310750. Donc, pour Paris, je vous ai donné, Nantes, c'est 0620, 006359. Ceux de France, poste. Donc, tu es en Italie, tu prends le numéro de France, elle peut te poster ça. Donc, si vous avez une situation particulière, comme peut-être le visa que tu veux demander, à ce jeune-ci, tu peux ajouter le kit de déblocage. Tu appelles la dame, tu dis que tu veux le kit de déblocage. Ça vient avec un cadenas, ça vient avec des selles. Tu dis que tu veux le kit de déblocage. Tu joins à ça le jeune et tu ajoutes sur ça tes pipis du matin, le premier pipi du matin. Ça, c'est l'une des formules pour débloquer les situations de ta vie. Donc, le numéro général qui passe pour tout le monde. 00237 680 71 07 01. La Côte d'Ivoire, 00225 08 27 53 94. 225 08 27 53 94. Donc, plus 225 08 27 53 94. Il n'y a pas encore de représentant au Congo. Donc, si vous êtes au Congo, vous écrivez au numéro camerounais que j'ai donné tout à l'heure. Peu importe votre pays, prenez le numéro camerounais, vous le écrivez avec. Voilà, je ne vais plus répéter les numéros. Parce que je vous connais. Vous avez une façon d'avoir la paresse là. Si tu as déjà le kit de déblocage plus, ça c'est le grand frère du kit de déblocage dont j'ai parlé tout à l'heure. Tu utilises ça de même pendant le jeûne. Donc, nous faisons les DHL. On poste par DHL à travers le monde. Donnez-moi les likes pour la vidéo, s'il vous plaît. Sur Facebook, il n'y a pas de like. Je ne sais pas pourquoi. Mettez les cœurs. Les cœurs. On n'a que 45 cœurs. Même si la connexion dérange, mettez les cœurs. Et vous donnez... Voilà. Mettez les cœurs. Si tu n'as pas le kit, tu veux faire le jeûne. Tu jeûnes avec nous sans souci. Tu jeûnes avec nous. Bon, notez déjà ce que vous désirez pour demain. Donc, pendant les prières, il y aura des enseignements qu'on va donner. On va aussi vous diriger pour faire des déclarations sur vos vies. Voilà.
Donc, on ne mange pas de 6h à 18h. Et pendant qu'on jeûne, on doit écouter les enseignements de tout ce qui va nous expliquer la parole. Donc, écouter des choses qui vont vous motiver dans la journée, qui vont expliquer un peu plus la parole de Dieu. Donc, ceux qui veulent rejoindre, vous écrivez, on va vous mettre dans les groupes, le groupe de jeunes. Donc, demain, on enverra le lien Zoom, vous allez vous connecter. On peut jeûner si on est indisposé, oui, Sandra. Si tu ne peux pas jeûner de nourriture, tu fais le lavage avec le sel pendant le jeûne. Bon, je pense que c'est tout. Hein. Pour ceux qui vont regarder ceci avant ou après, voilà. À demain matin alors. Je vous souhaite de bien faire vos listes de prières. Je souhaite aussi la lucidité dans votre esprit. Je viens contre la paresse et le découragement. Je scelle cette prière par le sang de Jésus. Je déclare que votre travail spirituel va s'ouvrir, va avancer. Je déclare que beaucoup de chaînes seront brisées. Je déclare que beaucoup de familles seront restaurées à travers votre travail spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Ginny, tu dis que tu n'as pas le sel dans ta cuisine? Tu n'as pas le sel chez toi là-bas? Le sel de 50 francs là? Utilisez le sel que vous avez à la cuisine.